Est-ce que toi aussi tu voudrais avoir une voiture super stylée comme la mienne? Si oui, n'hésite pas à aller checker le site Eliwa.com. Eliwa est l'un des meilleurs sites d'achat d'objets Rocket League qui vous permet d'acheter des objets et des crédits rapidement en toute sécurité. N'hésitez pas à utiliser le code LUXIER pour recevoir un bon de 6% de réduction sur tous vos achats. Sur ça, bonne vidéo. Avant que la vidéo commence les gars, je vous donne l'opportunité de gagner un marché noir de votre choix. Tout ce que vous avez à faire, c'est premièrement de vous abonner avec les notifications, comme ça vous ne ratez plus une vidéo. Deuxièmement, mettre un like sur cette vidéo. Et dernièrement, mettre en commentaire votre plateforme, votre pseudo sur cette plateforme, ainsi que la raison que vous devrez gagner un marché noir. Les 5 gagnants sont annoncés quand on atteint les 25 000 abonnés. Bon courage à tous. Quoi? Attends, de quoi? Les gars, je crois qu'on est tombé sur un arnaqueur. C'est pas possible, c'est pas possible. Le mec, il a dit que la Domus blanche, elle vaut 10 crédits. Je vais attendre qu'il accepte, ça va être drôle, les gars. Oh, il accepte, oh, il accepte. Oh, il a accepté les refs. On va accepter, les gars. Ça va pas marcher. Bonjour, les amis. C'est l'Excitrail, aujourd'hui les gars, j'ai trollé des gens avec le preset le plus cher dans tout Rocket League. Alors les gars, aujourd'hui, je suis allé en trade avec des gens aléatoires avec le preset le plus cher. Sénateur central dans le titane, Dominus blanc titane, chapeau blanc et bien sûr les roues alpha. Les gars, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais les refs, au bout d'un moment, on est tombé sur un arnaqueur. Il a essayé de m'arnaquer la Dominus blanc titane, les gars, je vous en dis pas plus. Je suis sûr qu'il y en a qui vont se demander, Luxy, comment est-ce que t'as eu des systèmes aussi chers? Simplement les gars, j'utilise un mode qui s'appelle Voltage, vraiment les gars, c'est le meilleur mode qui a jamais existé sur Rocket League. Si vous voulez le lien, c'est en description les gars, c'est payant, mais croyez-moi les gars, ça vaut largement l'argent. Juste avant d'entrer dans la vidéo les gars, si vous voulez voir plus de vidéos, là on troll la commune, n'hésitez pas à liker et vous abonner, c'est gratuit, ça fait super plaisir. Pour les refs, vous êtes là, pour là, on troll les gens avec le preset le plus cher de tout Rocket League. Et sans attendre, sautons directement dans la vidéo. Du coup les gars, on a trouvé notre deuxième victime. Et ben let's go directement vos cas. Allo? On va ton pseudo. Mon pseudo c'est Luxy très directé. Tu peux éteindre ton truc là, ça te dérange pas. Je mange des cartes graphiques. C'est quoi ton truc mon ref? C'est back as mode, c'est ça. T'inquiète, t'inquiète. Wesh. De quoi? Wesh, un gars il est bien, un gars il a des tales hein. 40 000 ah ouais, vas-y, excuse-moi. Ah oui, ma voiture, c'est vrai, ma voiture. Là, vraiment, la Dominus blanche, tu sais ça, mec. Monsieur, j'ai un RSS. Wow, un truc de fou, non. Mais non, jure. Mais non. Du coup, dans mon stuff, il y a des trucs qui t'intéressent. Ouais, mais je crois pas que j'ai pour. Attends, mais attends, mets tout ce que t'as de bien. Mais gros, mais tu peux pas faire ça. Bah si, je peux. Mais gros, mais là... Tu veux que je te donne un truc? Hein? Ouais. Bon, ça, soit... Dominus. Non, je me sens mal, tiens. Je vais être gentil. Je vais donner aux pauvres, ce que je fais pas souvent, hein. Je fais pas ça souvent, hein. Mais non. Juste parce que t'as l'air sympa, toi. Regarde. T'es classé quoi? Bah, je suis classé GC, moi. Oh, excuse-nous. Bah, attends, et... Frérot, je joue plus longtemps. Tu crois que ça m'a pris combien de temps d'avoir une voiture comme ça? Mais tu joues depuis combien de temps? Enfin, ça fait combien de temps que t'as le jeu? 2017. Tu crois? Tu sais, il vaut combien le chapeau là? Non, je sais pas, mais il vaut très cher, je sais. Il vaut genre 10 000 euros. Ah ouais, excuse-nous. Bah ouais. Le mec, il a l'état là. T'as pas un stuff qui m'intéresse. C'est pas pour être méchant, hein. Non. Je comprends. Bon, bah, mon ref, passe une bonne journée. Vas-y, merci à toi. Ça a été sympa de t'avoir parlé. Bah, t'inquiète pas, mon BG. Oh, les gars, sa réaction, c'était un truc de fou. Oh, c'était un truc de fou, les gars. Quand il a directement vu. Waouh! En vrai, les gars, je me sentais mal, hein. Je me sentais mal. J'ai dit que j'allais donner une Dominus blanche. Non. Et maintenant, les gars, on va passer à la prochaine personne. Ok, les refs, on a trouvé notre prochaine victime. Et bref, je vais arrêter l'appel. On va voir sa réaction. Trop bien, let's go. Allo mon ref, oui. Ça va? Allez, oui. Je t'ai invité. Et tout. Wesh. Ah ouais, ça t'es pas mal toi. Oh, je sais que je suis pas mal. Tu fais que le trade ou tu payes? Bah je trade moi. T'as combien de CR avec tout ça? Bon, là actuellement je suis vraiment, c'est vraiment la hache, j'en ai 17 845. Bah attends, je te montre ce que j'ai. J'ai commencé il y a une semaine, bah deux. Il y a une semaine? Oh, c'est déjà pas mal ça, ouais. En une semaine. Deux. Ça fait combien de temps tu trades? Bah j'ai joué depuis 2017 et je trade depuis 2017 aussi. Tu veux un truc? Ta fenêtre elle m'intéresse. Ouais mais tu vas la prendre bah, prix. Pourquoi t'assumes que vu que je suis riche je prends du global? Ouais parce que moi je fais ça pour monter. Je te propose des BM contre tes fenêtres. Ouais mais ça c'est dur à revendre. Pas tellement. Si, oh, j'aurais préféré les trader. Ouais, mon ref. Ah. Oui! 2 secondes, j'arrive!
Je pas très vite fait. Vu que t'as l'air sympa, je vais te donner un petit truc gratuit. Tu sais qu'en plus, je me suis fait arnaquer. Oh. Bon, merci. Merci beaucoup. T'inquiète pas. Comment? Ta bannière, tu l'as eu où? C'est le drop Twitch. Bah, bonne soirée, mon refaire. Merci d'avoir travaillé avec moi. Et ouais. Bonne continuation. Ouais. À toi, mon ref. Ciao. À toi aussi. Alors les refs, pour la première personne, elle voulait pas Vogue, mais elle nous a ajouté, du coup on va l'inviter. On va voir sa réaction, les gars, je crois que ça va être vraiment très très drôle. On va voir 3, 2, 1, c'est parti. Ok, je sais pas ce qu'ils veulent, ils écrivent pas dans le chat les gars. On va voir s'il va poser une question sur la voiture parce que j'ai l'impression qu'il ne dit rien. Du coup, on va lui demander de vous montrer tout ce qu'il a les gars, mais tout ensemble, aucune réaction sur la voiture. Hein. Je crois pas qu'elle a compris les gars, du coup on va lui montrer le chapeau blanc. Tu fais très chill ou con? Attends, il va essayer de me scam le mec, il va essayer de me scam ou quoi? Bon, on va faire comme tu veux, trade chill ou conf, c'est un peu chaud. Par contre, est-ce qu'il veut dire confiance, genre test de confiance, c'est un peu. J'ai un peu peur, peut-être c'est un scammer, les gars, peut-être qu'on tombe sur un arnaqueur directement. On va aller poser les items, on va espérer que ça crache pas. 3, 2, 1. Et pas non, ça crache pas, c'est super. Trade conf, quoi? Attends, de quoi? C'est quoi trade conf? Attends. Et les gars, je crois qu'on tombe sur un arnaqueur. Imaginez, les gars, il essaie d'arnaquer mon chapeau blanc. Les gars, je crois qu'on est tombé sur un arnaqueur. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu me donnes des objets. Les gars, c'est un scammer. C'est un scammer. C'est un scammer, les refs. Non, mais c'est pas possible, les gars. Je devais troller à la base. Et les gars, on est tombé sur un mec qui arnaque. Le mec, il essaie de m'arnaquer. Non, mais c'est quoi ce bordel? Non, mais le mec, il me prend pour qui? Les gars, même les pauvres, ils arnaquent, les gars. C'est un truc de fou. Bon, on va demander s'il peut doubler le chapeau. Les gars, j'y crois pas. On est tombé sur un arnaqueur. On va demander, il vaut combien d'ailleurs? Le chapeau, les gars, il y a pas de prix. Imaginez, il dit genre sans crédit. Je sais pas, eh bah oui. Bien sûr. On va demander ma voiture alors. La Dominus blanche, on va voir s'il va mentir ou pas. De toute façon, les gars, même si j'accepte, ça va pas le faire. Non, les gars! Ouais, qu'il va juste dire. Elle vaut combien? 10 CR. Non, mais les gars, le mec il a dit que la Dominus blanche elle vaut 10 crédits. 10 crédits! Oh, les gars, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Elle a dit que la Dominus blanche elle vaut 10 crédits. Ah, mais c'est son pote, j'ai pas vu. Je savais pas. Ah, bah oui. Tu me rends 20 crédits, c'est ça? Oui, en plus de tourner ta voiture, ok. Tu te casses pas avec, ben non. Ok, et eh ben les gars, comme tu veux, de toute façon, j'en ai pas besoin, c'est pour ça que je dois vouloir. Vu ton stuff, je pense que t'en as besoin, mon ref. Du coup, tu veux. Oui, d'accord, elle veut pas répondre à ma question, j'ai accepté ma question, du coup, on va voir s'il accepte en premier. Moi, j'accepte pas en premier. Je vais attendre qu'il accepte, ça va être drôle, les gars. Oh, il accepte. Non mais les gars, c'est n'importe quoi. C'est-il accepté les refs? On va accepter les gars, ça va pas marcher. Exposé sur YT Luxi Trade. Non, et là les gars, il m'a quitté. Oh, c'est pas possible les gars, il a essayé de m'arnaquer ma Dominus blanche. Oh là 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 les gars, il a essayé de m'arnaquer les refs. C'est bon, on rentrait juste dans ton jeu, BG, c'était drôle. J'y crois moyen. Et bah, les gars, on a chopé des scammers. On a chopé deux petits scammers. Un groupe de scammers, en plus, ils sont pauvres. Aïe. Ah, c'est dommage, là, c'est triste à voir. Bon, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire le mot Luxi et vous mettre un petit cœur. Bon, les gars, on a eu quand même des réactions assez incroyables. Et on a même eu un arnaqueur qui a essayé de m'arnaquer. Et aussi, les gars, je sais pas si je l'aurais mis en écriture, mais le mec sur le serveur Discord là où j'ai trouvé, il avait déjà été signalé deux fois pour test de confiance. Et ben, il a été signalé une troisième fois. Et j'ai fait en sorte ben, qu'il soit exclu du serveur Discord, ce qui était pas mal. En tout cas, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ça, les gars, je vous dis à la prochaine. We'll be right back.